Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui servira à vous montrer des chaînes slash de moins de 500 abonnés qui en méritent bien plus. Je précise que je fais cette vidéo bien avant de la poster, donc le nombre d'abonnés risque de ne pas du tout correspondre. Et ça ne sert à rien de me demander en commentaire de vous faire une pub, je ne vous en ferai pas. On commence donc avec Choupa slash 15, qui est pour moi une chaîne très agréable, soignée et claire avec toutes les vidéos classées dans le playlist. Ces vidéos sont assez diversifiées avec des photos, colliers, vlogs, maps, etc. Les montages sont très propres, on voit bien qu'ils y passent du temps, les vidéos et les miniatures sont de très bonne qualité. Elle a actuellement 182 abonnés et en mérite bien plus. Bref, c'est une chaîne à voir. On a ensuite Salade Slash qui dénombre 490 abonnés, bientôt 500 quoi, même si elle a déjà dû les passer. Cette chaîne est tenue par une fille adorable qui fait des vidéos diversifiées, donc des customs, photos, colis, vlogs, etc. qui sont bien pensées avec une excellente qualité. Les miniatures sont très bien travaillées, c'est la première impression de la vidéo, donc c'est super important. C'est un vrai plaisir de regarder cette vidéo, donc je vous la conseille. Il y a ensuite Eowyn Slash qui est suivie par 374 abonnés. J'aime beaucoup sa chaîne parce qu'elle est très diversifiée, organisée et elle fait des séries géniales. Ses vidéos sont très bien filmées et montées, rien que pour ça c'est un bonheur à regarder. Bref, je vous la conseille. On passe ensuite à NXL avec 459 abonnés, qui est pour moi un membre incontournable de cette communauté. Elle est très connue avec sa série Ponemon, que je vous conseille très fortement d'ailleurs. Sa chaîne tourne beaucoup autour de séries et de courts-métrages. C'est une chaîne organisée et claire avec des vidéos travaillées et de bonne qualité. Ses montages sont aussi excellents, donc vous avez obligation d'aller regarder ses vidéos. On arrive à Brisbane, qui est encore une chaîne superbe et claire. Elle se diversifie de plus en plus, elle se met au custom, donc forcément ça me plaît. Elle fait également de superbes créations que je vous conseille d'aller voir. Ses vidéos et les miniatures sont très travaillées et j'aime d'ailleurs énormément ses montages d'Imaginary World. Pardon pour l'accent. Elle a actuellement 459 abonnés qui sont amplement mérités. Il y a ensuite Cloud Studio qui dénombre 178 abonnés. Ses vidéos sont très diversifiées, très travaillées et ses miniatures donnent vraiment envie d'aller voir. Elle est un peu fofolle donc ça rend ses vidéos très drôles et agréables à regarder. Même si elle n'est plus active, je vous conseille fortement d'aller voir ses vidéos rien que pour le fait de rigoler et de passer du bon temps. Il y a ensuite Yukim qui est pour moi une perle de la communauté Slash. Elle a actuellement 414 abonnés et ce n'est clairement pas assez pour ce qu'elle fait. Ses vidéos tournent principalement autour de custom, colis, tutoriels, etc. Sa chaîne est bien rangée, claire et elle fait des customs plus que sublimes. Elle ne les montre pas tellement en vidéo donc allez voir en plus son blog qui sera en description. Nous passons ensuite à Poulichette, anciennement connue sous le pseudo de Petite Pouliche. C'est donc une chaîne de customisation mais qui contient aussi des vidéos très diversifiées. Il n'y a pas énormément de vidéos mais elle commence déjà très bien. Elle fait du super custom en plus d'être adorable. Elle a actuellement 472 abonnés et en mérite bien plus. La prochaine chaîne que je vous conseille est Ameria, avec un nombre d'abonnés de 144. Ses montages sont d'excellente qualité, avec en plus une très bonne image. Elle a beaucoup d'imagination, ce qui est d'ailleurs très important sur YouTube. Elle s'apprête à sortir une série, Expérience numéro 13, qui semble très prometteuse et que je suis impatiente de voir. Sa chaîne donne très envie avec des miniatures très bien travaillées. Bref, allez y faire un tour, vous ne le regretterez pas. La chaîne suivante est Loris Model Horse. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans le citer. Je l'ai découvert très récemment, mais j'ai tout de suite accroché. Ses vidéos sont très travaillées, avec une excellente qualité, ses miniatures donnent envie, et elle traite de sujets intéressants. En plus, c'est un garçon, ce qui est assez rare, on ne va pas se le cacher, puisque je n'en connaissais que deux avant. Grand Prix Slash et Da Vinci, un américain. Bref, il a actuellement 124 abonnés, ce que je trouve trop peu. Il est adorable et fait de superbes photos, donc allez-y. On termine avec Ara Triskel, plus connue sous le pseudo de Ara du Triskel. Sa chaîne est diversifiée, même si elle n'a fait que 5 vidéos pour le moment. Ses montages sont très bien travaillés et elle fait de magnifiques photos. Elle est plus active sur Instagram, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle a actuellement 110 abonnés et je compte sur vous pour agrandir ce nombre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je n'ai bien entendu pas présenté toutes les personnes de moins de 500 abonnés, ce n'est absolument pas possible. Mais n'hésitez pas à aller voir toutes ces chaînes si vous ne les connaissiez pas. Je vous fais de gros bisous et à bientôt !